Les amis, nous y sommes. Épisode final d'Acetylene Power. Quand je vous ai dit qu'on allait vers du gros. Et oui, les gars, on fait péter une bagnole. Oui. On a notre livraison. Voilà. C'est cosy là-dedans. Ah ouais, hein. Ouais. Ah ben on va l'envoyer. Hein. Il est génial, ce mec, il est génial. Pour ce final en beauté, on a donc une magnifique voiture qui, comme vous pouvez le voir, est déjà à mes couleurs. On a eu vachement de bol. Un grand merci à Récupopel de nous l'avoir fourni. Et donc, là, on va y mettre la dose. Ce qui est prévu, c'est qu'on y met donc un gros sac de 240 litres de mélange en plein milieu dans l'habitacle, plus un sac de 100 litres dans le coffre, pour un total donc d'environ 340 litres de gaz. Si ça pète pas bien comme il faut... Oh nom de Dieu! Attends, tu veux j'enlève le frein à main, ça va peut-être mieux? Ouais, et prépare-toi à freiner aussi tout court. Doucement, tu gardes les roues droites comme t'es. Il descend pas le carreau. Attention, attention les yeux! Non, pas avec ça, avec ça. Allez, ferme le coffre! Oh merde, désolé. Oh non! Ah, allez, hop, c'est bon, c'est rangé. La raison pour laquelle on détruit les vitres, c'est parce que grâce à notre expérience des explosions précédentes, on a remarqué que quand l'explosion était vraiment confinée, comme avec l'intérieur du lave-vaisselle ou l'intérieur du frigo, l'onde de choc était beaucoup moins visible et l'explosion beaucoup moins forte au niveau du ressenti. Et puis le verre, on n'a pas envie de tout ramasser. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de détruire les vitres qui ne veulent pas descendre. Voilà. Putain, on filmait! Oh les gars, vous voulez manger quoi? Allez, je vous laisse, hein, j'y vais! J'ai une explosion à pas rater! Cette fois-ci, donc, le volume de gaz total va être d'environ 340 litres. Donc l'énergie dégagée équivaut en TNT à. Ouais! Oui, elle va prendre cher, oui. Alors on espère quand même que les portes vont être soufflées. C'est de la science, il faut tester pour savoir, donc on y va. Alors cette fois-ci par contre, pour éviter de manipuler le sac directement à la main, on a quand même un tuyau pour se déporter de 3 mètres. On fait ça avec des pros et bien comme il faut. Bon, vous commencez à connaître l'histoire, hein. Oh, pardon la peinture. litres, c'est long à remplir. C'est long. Ah, il est bien gonflé, là. Oh, comme elle va dégager, cette caméra. Oh, mais c'est fait pour, hein, allez. Explosion de voiture avec 340 litres d'acétylène dans 3, 2, 1... Moi j'étais un peu sur le côté là. Oh, ouf. Oh la bagnole, la bagnole. C'est bon, vous pouvez relâcher vos sphincters. Merci. Elle filme. Elle filme encore. Ah ben là, le souffle, je peux vous dire qu'on l'a senti, hein. Là, les panneaux, je les ai vus trembler, mais... Waouh. Comme ça, waouh. Alors, les chars... Oh là là. Waouh, comme on l'a shreddé. Oh, ce souffle, là. Désolé, j'ai essayé de fermer un portier.
Waouh, le pare-brise, on l'a retrouvé à peu près à une vingtaine de mètres. Et ce qui est drôle, c'est qu'il reste intact, puisque c'est du verre qui est feuilleté, en fait, tout simplement. Donc il y a des couches de plastique qui maintiennent le verre ensemble pour éviter que si vous prenez un impact et que le pare-brise craque, vous prenez du verre dans la tête en roulant. Mais il a décollé, mais pff, il est parti. Les joints, ils ont fait... Oh, le rouleau de printemps. On voit que le verre, c'est flexible. Okay. Je l'ai mise dedans, ça faut juste le remballer. Parce que moi je viens pour remballer. On m'appelle le remballeur. Le remballeur, le nettoyeur, le nettoyeur. Ouais, restez pas près du câble. Filmez ça, les gars, on fait pas ça. On fait un petit tour. Attention. C'est explosif ça. C'est une essence. Elle a cherché dans la voiture. Et voilà les amis, la conclusion de cette série Acetylene Power, tout en puissance, la plus grosse onde de choc qu'on ait prise. Honnêtement, c'était vraiment, vraiment puissant. On a senti une vibration, mais boum. Donc n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, de laisser un j'aime. Je dis un grand, grand, grand merci à toutes les personnes qui étaient présentes et qui nous ont aidés pour ce projet de dingue. Donc d'ici là, je vous dis à la prochaine. Bonne science à tous. Ciao. Allez, faut que je me casse là. Oh.